On est très heureux de vous retrouver du côté de la Charrière pour ce match de Première Ligue classique entre la Chaux-de-Fonds et le FC Vevey United, les Veveysans qui restent sur 3 succès consécutifs sur la marque de 3-0 face à Azzurri, puis 2-0 du côté de Martigny, un succès lors de la dernière journée face à Merin par 4-1. Et avant cela, il y avait une défaite pour débuter le championnat face à Lancy FC par 3-2 du côté de la Chaux-de-Fonds. On a fêté une victoire en début de championnat, succès 2-1 face à Azzurri, et puis un match nul ensuite face à Martigny, bon match nul. Et puis deux défaites lors des deux dernières journées face à Merin, 4-1, et puis un petit revers face à Nanterre, mais un revers tout de même à 1-0. Et on retrouve dans les rangs de la Chaux-de-Fonds un certain José Saïs qui a fait son expérience du côté de la Maladière avec le Neuchâtel Xamax FCS. On lui souhaite bien évidemment bon vent dans cette aventure avec les Chaux-de-Fonniers. Puis les retrouvailles également pour Christophe Caché. Attention, on va suivre cette action. Un ballon récupéré par les Chaux-de-Fonniers, la faute de Lima, le Veveysan. Christophe Caché, retour du côté de la Chaux-de-Fonds. Il avait dit se réjouir de retrouver certaines personnes lors de sa venue en terre neuchâteloise. Et on se réjouit, nous, de notre côté, de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie avec le ballon sur Escolano. La passe d'Escolano, on va décaler, renverser le jeu. Ramzaïer qui a remis tranquillement à côté de Légerie au corner. Véritable animateur de la victoire, 4-1 face à Merin. Ballon détourné par la défense qui va passer toute la défense en revue, qui va sortir finalement. Ouais, on est assez vigilant pour le moment défensivement du côté de la Chaux-de-Fonds. Une équipe très très bien regroupée qui pose beaucoup de problèmes au bleu. Attention, Bouniakou. Bouniakou qui va revenir dans l'axe du terrain. Lima, il ne peut pas se mettre en position de tir. Encore une fois, le renversement du jeu sur Rice Rocha, flanc droite là, avec dans le couloir Mejri qui revient dans l'axe. On laisse passer. Possession de balle là, du côté de Vevey, sans toutefois parvenir à venir inquiéter le portier Marc Hummel. L'accélération avec une frappe lointaine, elle passe assez largement à côté. Château au bénéfice de ce coup de coin de la 8e minute, toujours 0-0, pas de grosses occasions à se mettre sous la pupille pour le moment avec cette remise. Voilà, dans l'axe du terrain, extrêmement dangereux avec la montée de Diego Mutombo et cette frappe de la tête qui passe juste par-dessus le but défendu par le portier Cédric Zimmermann qui va pouvoir dégager. De son côté, Vevey qui a assuré de très bons renforts, notamment, on l'a dit, avec Martins, avec également Mejri. Attention à Bouniakou, la frappe, elle est contrée. Bouniakou qui met à côté de lui, Mbegue, la bonne sortie du portier Marc Hummel. On le disait donc, deux arrivées importantes, notamment parmi les arrivées du côté de l'équipe veveysane de Mejri, de Martins, des joueurs qui animent le jeu veveysan. Il y a eu quelques changements apportés, bien évidemment, par le trio Christophe Kachili, Julien Gueugel et Metin Karagul, dans la perspective de cette nouvelle saison, avec l'ambition, bien évidemment, de jouer les finales de promotion. Avec Elefante, capitaine et défenseur de cette équipe, il glisse ce ballon à côté de lui. Martins, petit ballon piqué de Martins dans le couloir, c'est bien joué là de la part des Veveysans, avec un centre, ballon dans l'axe, à la reprise de la tête de Mejri, la volée de Lima. Oh, il a manqué sa frappe. Oh, il était en bonne position, Jonathan Lima,
pour venir inquiéter le portier Marc Hummel. Il a manqué son geste sur cette déviation de la tête d'Ahmed Mejri. Lima qui a fait l'appel de balle, un ballon qui ne lui est pas arrivé. Bouniakou, pas de faute, on laisse jouer avec l'interception d'Emsabeg. Emsabeg, l'ouverture, ballon dans la profondeur, Lima, c'est bien joué. Lima avec un centre, ce ballon retrait, le tir, oh, il est manqué, Mejri, tout seul au point de pénalty. Et qui voit cette frappe passer à côté, il a manqué son affaire. Le joueur de Vevey, il n'a pas pour habitude de manquer ce genre d'occasion, de situation. Avec l'excellent service alors de Jonathan Lima, on est passé proche du 1-0 là en faveur des joueurs vaudois. Ce ballon qui va arriver sur le pied de Mejri à la lutte avec Djihad Djelassi qui va s'emparer du cuir. Il remonte, ballon au pied, c'est bien joué là de la part de Djelassi, il est rapide avec le décalage. Il va trouver du soutien sur le côté gauche avec Johan Kolo. Kolo, le petit centre, deuxième poteau. On a manqué la finesse hein, dans cette phase de jeu. Andoni Guédé qui était monté un peu court sur ce service de son coéquipier. Il a contrôlé ce ballon, c'est bien joué avec Mejri. Encore une fois, en possession du tir, le tir de Mejri s'est repoussé avec Lima, le centre de Lima et le coup de sifflet de l'arbitre. Lima en position illicite, jolie frappe de Mejri et très belle intervention du portier Marc Hummel. Et encore une fois, éviter l'ouverture de la marque à son équipe. Très très belle intervention, très sûre, qui a préféré boxer plutôt que de tenter de bloquer ce ballon. On en reste à 0-0, on est à 9 minutes hein, de la fin de cette première mi-temps. Avec ce coup franc que va botter Djihad Djelassi, on joue très rapidement avec Brian Huguenin. La remontée du terrain par Huguenin, il a du soutien à côté de lui, il va mettre ce cuir sur le pied de Hermine Arbas. Allons, deuxième poteau, prise de balle aisée pour Zimmermann qui relance extrêmement rapidement. Les Vaudois qui se projettent vers l'avant, il y a du soutien aux avant-postes. On attend un petit peu avec un ballon sur Bouniakou finalement. Bouniakou avec la frappe, elle est détournée. Superbe l'intervention du Mel. Ouais, c'est l'homme du match, le numéro 22, Chaudefoignier, portier de cette équipe. Sur cette frappe détournée de Bouniakou. Attention, parce que c'est un coup franc intéressant. On est à 4 minutes de la fin de cette première période. Et c'est Kolo, Johan Kolo, qui s'est dirigé vers le ballon pour botter ce coup franc pour sa formation. Qui s'est créé quelques occasions, dont une très belle hein, tout à l'heure avec Diego Mutombo. Sa frappe de la tête qui est passée finalement par-dessus le but de Zimmermann. C'est dangereux, très dangereux. Kolo, ballon enroulé. Ouais, il est mal négocié. Encore une fois, ce coup franc ne profite pas de ce genre de situation. Côté Chaudefoignier. Avec le retour de Emsabeg qui va s'emparer de ce ballon. Le glisser à côté de lui. Mejri maintenant. L'accélération d'Ahmed Mejri qui va revenir dans le couloir là sur ce flanc gauche. C'est bien joué. L'accélération avec le centre raté. Ouais, le sauvetage. Magnifique intervention là de Brian Huguenin qui a mis ce ballon en corner. Sans doute un des derniers corners hein, de cette première mi-temps avec Mejri. Ballon mis au deuxième poteau. La volée manquée de Bouniakou hein, qui a manqué le coche. C'est un peu dans la même situation tout à l'heure que Lima. On s'est créé des occasions. L'arbitre qui met un terme à cette première mi-temps sur ce score de 0-0. Certes avec les actions les plus nettes pour les Veveysans. Il y avait les opportunités pour mener à la marque. Mais le résultat est toujours de 0-0. Christophe Cachini l'avait dit. Ce ne sera pas une partie facile du côté de la Chaux-de-Fonds. Son analyse était encore une fois judicieuse. Avec Angelo Sosa. Sosa qui va décaler, venir sur le flanc droite. Là, c'est bien joué là, de la part des Veveysans qui trouvent l'espace. Avec une balle en retrait. Raïs Rocha, le centre de Raïs Rocha, la tête. Oh, c'est sauvé, Mejri. Un ballon qui a peut-être été touché par le défenseur du nouveau centre. Et la bonne anticipation de Marc Hummel, encore une fois une grosse occasion là pour les Veveysans d'ouvrir la marque. Mais il est terrible ce gardien, il a sorti quelques ballons extrêmement dangereux. La preuve encore une fois avec cet arrêt réflexe sur sa ligne. Emsabeg dans le rond central, le décalage, Raïs Rocha. Lever la tête avec un petit ballon piqué, l'amorti d'Ahmed Mejri, le centre de Mejri, un ballon sauvé au tout dernier moment par Diego Mutombo qui rappelle à l'ordre sa défense. Pas très content le numéro 6, Chaudefoignier. Avec Mejri, on joue la 22e minute et même la 23e désormais de cette deuxième mi-temps. Ballon deuxième poteau, la remise, elle est contrôlée mais à mon avis proprement là par l'intermédiaire de Diego Mutombo. De Djelassi qui va faire ce coup franc, l'ancien joueur du FC Bienne
UFC Fribourg également avec un cuir mis en avant. C'est bien joué, la sortie du portier, il est devancé, le sauvetage in extremis d'Aidini là, qui vient de sauver la maison du Vevey United là, sur cette opportunité très intéressante. Encore une fois, cette fois la plus nette hein, pour Johan Colo, qui était parvenu à devancer la sortie de Zimmermann le passé. Cette ballon serait partie au fond du but sans l'intervention décisive de Bardil Aidini. Avec ce cuir contrôlé par les Chaudfognes. Attention, Navarro qui va le perdre maintenant avec Msabeg. Appel de balle dans le couloir droit. C'est bien joué, Msabeg qui transmet ce ballon avec un centre tendu dans les 16 mètres. La tête de Sosa. Et ce ballon qui passe assez largement, encore une fois, par-dessus la cage défendue par l'excellent Marc Hummel. C'est intercepté, Navarro qui va perdre le ballon, Martins qui met devant lui en 1-2, c'est bien joué avec Bouniakou, l'intervention, l'arbitre qui laisse jouer, Bouniakou avec la frappe, et une frappe appuyée, mais bien capté ce ballon par Marc Hummel. On est à moins de 5 minutes désormais de la fin de la rencontre. Michael Martins pour ce corner de la 43e, est-ce que la décision va se faire sur une balle arrêtée? Martins, ballon dans l'axe, la frappe de la tête, elle passe assez largement à côté. C'est Elefante hein, qui est venu frapper ce ballon qui a filé là sur la droite du but défendu par Marc Hummel. À peu près à 25 mètres, 25 à 30 mètres de la cage de Zimmermann. Navarro, ballon dans l'axe, une reprise de la tête et ce ballon qui fuit comme tout à l'heure l'action d'Elefante à côté, Djihad Gelassi. Ouais, qui doit avoir des regrets. Là, il était en bonne position pour venir marquer. Et pourquoi pas d'ailleurs, dans cette 46e minute, venir offrir la victoire aux joueurs neuchâtelois. On parlait de Djihad Gelassi, c'est l'homme, le joueur qui avait marqué contre Young Boys en Coupe de Suisse et qui avait poussé Young Boys dans ses retranchements. Les Bernois qui s'étaient finalement imposés hein, dans leur rencontre. Attention à ce ballon mis en avant avec le pointu de Mutombo et une balle qui va finir sa course encore une fois dans les mains du portier Hummel qui a relancé rapidement. Karil Ramzayer, un ballon qui sort en touche. Et puis son entrée, bien, c'est l'homme de la situation sur les balles arrêtées, sur les coups francs. Ce ballon mis dans l'axe du terrain, il est boxé par Zimmermann. Ballon à la réception et à la retombée qui a été détourné de la tête par Ramzayer. Et ça repart côté Vevezan rapidement avec Bouniakou. On a tenté de le stopper, on n'y parvient pas. Bouniakou, le tir de Bouniakou. Encore une fois, la prise de balle irréprochable de Marc Hummel. La remise en jeu que Rice Rocha va effectuer, sans doute une des dernières. On joue la 50e minute. Lui qui a regardé son chronomètre. Le duel avec Martins qui va mettre ce ballon dans les 16 mètres et trouver sur sa route Marc Hummel. Le dégagement du portier. 0-0 dans ce match. Un score somme toute assez logique tout de même. On a eu des occasions des deux côtés. Il aurait pu basculer aussi côté Chaudfognier sur cette seconde mi-temps. On pense notamment à l'action de Johan Colo. Rice Rocha, encore une fois, le long de la ligne de touche avec Martins. Il est contrôlé par les Vaudois, ce ballon. Et l'arbitre qui met un terme à la partie, match nul 0-0. On l'a dit, logique en ce qui nous concerne, parce qu'il y a eu des occasions des deux côtés. Même s'il y en a eu un petit peu plus du côté de Vevey, assez net. C'est une quatrième rencontre sans défaite pour les Veveysans et un point bienvenu, hein, sans doute moralement, pour la Chaux-de-Fonds, l'équipe chaudefonnière entraînée par José Saïs. Prochain match pour Vevey, déplacement difficile du côté de Nanterre, et puis aussi difficile hein, pour la Chaux-de-Fonds puisque les chaudefonniers se rendront à Young Boys. Un point vraiment mérité face à une équipe avec l'expérience qu'ils ont, avec toutes les qualités qu'ils ont, et puis que nous, on est dans une phase de reconstruction. Donc pour nous, c'est vraiment mérité. Voilà, on sait, vous êtes une équipe jeune, hein, une équipe en reconstruction. Hein, la première ligue, ben, descendue de promotion de ligue. Maintenant, il faut tout reconstruire. Ça commence à prendre forme, l'équipe. Oui, bien sûr, on a un bon coach, il nous donne des instructions. On essaie de faire le mieux déjà à l'entraînement, d'écouter, et puis de faire le nécessaire le jour du match pour faire des résultats. Alors l'ambition de Chaudfonds, c'est clairement le maintien. Oui, bien sûr. L'ambition de cette année, c'est d'abord se maintenir et puis on verra bien la saison prochaine qu'est-ce qui va se passer. On savait que ça allait être un match compliqué. Après, comme on s'est dit entre nous, c'est des matchs aussi qu'on peut perdre. Puis on ne l'a pas perdu, donc c'est aussi bien d'avoir obtenu ce point.
Qu'est-ce qu'il a dit l'entraîneur avant ce match, justement, que c'était un match piège un petit peu? C'est clair, c'est jamais facile de venir ici à Chaux-de-Fonds, c'est un grand terrain, c'est une équipe pas facile. Après voilà, il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre des points sur ce terrain, je pense. Donc vous connaissez aussi bien, hein, puisque vous étiez à Bavois avant, puis vous venez souvent jouer ici, puis vous avez toujours eu de la peine sur ce terrain. C'est juste un terrain, comme j'ai dit avant, c'est un terrain qui n'est pas facile à jouer, il est grand. Et ouais, c'est comme ça, c'est un match de foot, c'est 90 minutes, puis on savait que ça allait être dur. Voilà, pour faire les finales, il faudra de tels matchs hein, dans la saison. 3 points à la maison, 1 point à l'extérieur. Je pense que c'est des bons résultats qu'on a fait. Il faut qu'on continue, c'est encore long hein, pour parler de finale, mais je pense qu'on est sur la bonne, il faut qu'on continue. Comment vous vous sentez là, au FT United, avec le groupe? Très bien, c'est une super équipe, des super mecs, parfait. Je suis content d'être venu là.